Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans cet épisode 20, déjà j'ai envie de dire, de Au coin du DVD. Dans cet épisode 20, donc, on va continuer sur la lettre I. Lettre I qui est assez faible, je vous avouerai, dans ma DVD Tech. J'ai Irréversible, dans les lettres I, Irréversible, donc, qui est un immense long métrage. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans les lettres I? J'ai Inside Man. Ça, un jour, on en parlera, mais si vous aimez La Casa des Papel, regardez Inside Man, parce que c'est bien meilleur La Casa des Papel que La Casa des Papel elle-même. Bref, ça, c'est un autre débat. Et j'ai voulu continuer, du coup, dans le cinéma de genre, vu que la semaine dernière, je vous avais parlé de À l'intérieur, qui est pour moi un immense long-métrage, mais un peu facile, mais qui reste quand même très entreprenant dans ce qu'il essaye de faire en termes de genre. Et du coup, j'ai voulu continuer dans la même veine en vous parlant d'un autre duo de cinéastes avec leur premier film. Premier film qui, on va dire, a eu un joli aura à l'international parce qu'il s'inscrivait dans la même veine qu'un autre long métrage qui a pas mal marché dans le monde entier. Mais en France, soyons honnêtes, le film s'est fait défoncer. Et quand je dis défoncer, c'est un faible terme tellement le film s'est fait allumer. Je crois que la presse a trouvé le film moyen et les spectateurs ont littéralement hurlé au scandale comme quoi c'était l'un des pires films qu'ils avaient vu. Ce qui a fait malheureusement que le duo de cinéaste à la tête de ce long métrage n'a fait qu'un seul film après, lui aussi qui s'est fait allumer, un remake d'un film japonais qui s'appelle Bihai avec Jessica Alba qui n'est pas très bon du tout, et après ils se sont séparés et on ne les a plus jamais revus ensemble et ils ont fait des films chacun de leur côté un petit peu à l'écart. Mais en tout cas, le film du jour se nomme Il par David Moreau et Xavier Palude. Ce film est très intéressant. Je vais être honnête avec vous, ce film n'est pas complètement réussi. Et il faut bien avouer que il y a des moments où c'est un peu, je dirais pas facile, mais un peu cliché. Le film se voulait clairement dans la veine du projet Blair Witch lorsqu'il est sorti, c'est indéniable. Et si vous regardez cette magnifique jaquette de DVD, on n'avait pas vu et aimé ça depuis le projet Blair Witch. Je pense qu'à aucun moment, Palude et Moreau se sont dit « on va le cacher ». Non, on va ouvertement montrer qu'on est fan du projet Blair Witch. Le film a une démarche très intéressante, un visuel vraiment abouti. Le seul problème, c'est que, à vouloir être trop court et trop s'inscrire dans la veine du projet Blair Witch, il y a trop d'écho. Mais pour autant, je trouve que c'est une vraie prise de risque de la part de ces deux cinéastes, parce qu'il faut se remettre dans le contexte. Si on remet un petit peu tout ça en place, on était en 2006. Le cinéma de genre français venait de voir un petit peu émerger Fabrice Duwels. Du côté belge, bien sûr, mais en France, on avait Xavier Gence, on avait Christophe Gans qui était quand même bien assis et qui était en train de montrer sa détermination. On avait eu aussi À l'intérieur qui s'était ramené et qui avait dit « voilà, un duo de cinéastes peut proposer des choses comme ça ». Et donc du coup, il y a Il qui est arrivé, qui se voulait vraiment être dans cette veine de cinéaste. Plus orienté vraiment très à l'américaine. Eux, ça se voyait dès le début qu'ils avaient envie de conquérir le marché international et donc de potentiellement pouvoir réaliser un film américain, ce qui s'avérait être le cas ensuite. Et ça fait que du coup, le film a une vraie ambiance, un vrai caractère, à ce côté très claustrophobique, à ces deux acteurs qui sont vraiment impressionnants, que depuis on a quasiment revu nulle part. Ça fait souvent partie de ce genre de petit charme, un petit peu comme c'est le cas pour le projet Blair Witch, les trois quarts des acteurs n'ont jamais eu de carrière par la suite. Et ici, on est exactement sur le même truc. Olivia Bonamy et Michael Cohen n'ont pas eu de carrière quasiment après ces deux films. Et on peut pas leur en vouloir en même temps parce que ils ont un truc qui fonctionne ici et on a l'impression que ça fonctionne que là. Un peu comme c'est le cas avec les acteurs du projet Blair Witch ou les acteurs quasiment des trois quarts des found footage tournés dans cette période-là. Faut pas se voiler la face, il y a beaucoup de found footage, les acteurs, on ne les revoit pas après. À partir de Jay Miller qui a réussi un coup extraordinaire avec Cloverfield qui lui a ouvert des portes immenses partout. Mais honnêtement, sinon, vous regardez la plupart des found footage, les acteurs, on ne les revoit pas après. Et pour moi, c'est ce qui fait la force et la faiblesse de ce film. C'est qu'il fonctionne dans l'instant, tel qu'il est. C'est-à-dire que quand vous le voyez, vous êtes pris dans l'ambiance, vous êtes vraiment en train de vous accrocher à votre fauteuil, vous êtes vraiment complètement happé. Et il se passe un truc lorsqu'on arrive à la fin. C'est qu'on se dit « waouh ». Et le « waouh » a un double effet qui se coule. C'est-à-dire que vous allez commencer à revoir le film dans votre tête et à vous dire il y a des trucs qui marchent pas en fait. Et on remonte un petit peu le fil et on trouve des petites maladresses. Et c'est pour moi ce qui fait le problème de Hill. C'est que dans l'instant il fonctionne, mais c'est un film qui a un
très mauvais revisionnage. C'est très compliqué de le revoir. Et honnêtement, j'ai quasiment jamais pu le revoir jusqu'au bout. Je l'ai vu une fois, j'ai bien aimé, j'ai réanalysé le film, je me suis dit, il faut que je regarde une deuxième fois. J'ai pas pu, en fait. J'ai regardé 30-35 minutes et en fait, j'ai arrêté. Et c'est dommage parce que le film a quand même un vrai impact sur nous qui marche dès le premier visionnage. Et c'est triste, en fait, de voir un film qui n'arrive pas à résister au temps. Et qui fait que du coup, on s'en détache rapidement. Et c'est le problème. Et après, honnêtement, quand vous regardez la carrière de Palud et Moreau, bon, VI est pas bon. Et dès le moment où ils se sont séparés, on voit clairement qu'il y en a un des deux qui a plus de talent que l'autre. Palud a fait À l'aveugle, qui est pas un très bon film, voire même un très mauvais film. Et depuis, il fait des épisodes de série à gauche et à droite, mais il n'arrive pas trop à s'en sortir. Moreau, lui, a réussi à mieux trouver sa veine. Bon, 20 ans d'écart et pas une comédie folle, mais ça s'en sort pas trop mal. C'est surtout Seul qui est sa plus grande réussite parce qu'il a réussi à trouver le juste milieu. Et c'est un peu comme Bustillo et Mori qui ont réussi à trouver un juste milieu avec un autre film qu'ils ont réalisé ensuite, dont on aura l'occasion de parler, où ils ont mixé un petit peu des éléments, je dirais pas enfantins, mais un peu ados, et le cinéma de genre. Et Seul, c'est exactement ça. On sent que Moreau, il a réussi par la suite à trouver le juste milieu entre vouloir mixer ce qui lui plaisait et son cinéma de genre qu'il a fait naître. Donc je pense clairement que ce film, c'est un beau projet, c'est une belle idée, c'est une vraie ambiance, un vrai caractère qui fonctionne sur l'instant. Mais je pense qu'avec le recul, quand vous allez prendre une distance à la fin du métrage, vous risquez de vous dire que Il, de Xavier Palud et David Moreau, n'est pas un très bon film. Essayez de rester sur le premier ressenti, celui de fin de film, et c'est ce que j'essaye de plus en plus d'avoir en fait. Pour être honnête, ce film m'a permis de comprendre quelque chose. Parfois au cinéma, on a tendance à regarder un film et à se dire que, il faudrait le revoir pour le réanalyser. Et des fois, quand on le revoit, le film, on le réévalue. Et on se dit, ah, oh, en fait, il n'était pas ouf, il n'était pas très bon, j'en veux plus, je l'aime pas. Ce film m'a fait prendre conscience que lorsqu'on a un premier avis sur le film, il faut essayer vraiment de le forger, de le construire et de le garder en tête. Parce que si après on se fait influencer par d'autres choses, faut toujours être capable de revenir en arrière et de se dire soit qu'est-ce qu'on a pensé du film la première fois qu'on l'a vu. Pour moi, ce film m'a au moins appris une leçon. Si on a un avis sur un métrage, peu importe ce que les autres en pensent, restons sur ce qu'on en a pensé à la fin plutôt que ce que on va en vouloir par la suite. Donc regardez Il de Xavier Palud et David Moreau, c'est quand même quelque chose d'assez rare et c'est une vraie prise de risque au sein du cinéma français. Voilà, on en a fini sur la lettre I, la semaine prochaine on passera sur la lettre J, J qui est pleine de promesses, je peux vous l'affirmer. Et d'ici là, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fin de cette petite émission qui est au coin du DVD, il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.